pas vu, mais je viens de me faire attaquer par une élève guttata. Alors, elle, quand elle mange, elle est méchante, hein. J'ai rien, mais elle est méchante. Elle pète un plomb quand elle mange à la fin. Waouh. Bah, il t'avait pas dit qu'il y a un serpent qui n'avait pas mangé depuis 2 mois. Donc vous avez pas vu, mais quand j'ai été la chercher dans le terrain, ben, j'ai pas frotté mes mains. Elle m'a tapé un tout petit peu. Enfin, elle m'a chopé quand même et me faire une petite constriction. Ça, c'est une erreur de ma part. Il faut toujours, toujours laver ses mains quand on va chercher un serpent dans un terrain. J'ai pas eu le temps de l'attraper et la mettre dans le bac pour manger. Mais bon, voilà, c'est une panthérophis, ça fait pas mal quoi. Voilà, là, un an à peine, un an, ouais. Un an, mais encore une fois, pas très bien nourri. Pas obèse non plus, mais bon, on n'est pas très bien nourri. C'est une butter stripe, je crois. Je sais qu'il est temps de me raser, qu'est-ce que tu dis, toi? Parce que ça fait des dizaines d'années que tu t'es pas rasé. Ça va aller ou quoi? Tu fais un coup de main quand même, toi? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Il va falloir qu'on m'achète de l'alcool. Pourquoi? Pour désinfecter mes mains. De l'alcool? Mais pas l'alcool à boire, hein, de l'alcool pour désinfecter. Hé, attention, fais pas ça avec sa nuque. Non, non. Non, non, non. Joue avec comme ça. 2 minutes. Et jamais retirer le serpent qui vient de vous mordre, ça c'est sûr, parce que on peut lui casser ses dents. J'ai attendu, elle a relâché tout seul en lui montrant une souris. Elle m'a relâché, ben. Elle m'a relâché. Mais quand je lui ai montré la souris, elle m'a relâché. Je suis lui la mettre dans le bac pour manger. Tu sais? Non, même pas. Pourquoi quand on fait tu... Non, en fait, ça pique un peu, mais ça surprend, c'est l'attaque qui surprend. Quand un serpent nous mord, on saigne pas. Ben, on peut saigner un tout petit peu, mais... Mais t'en sens pas. Ouais, les petites. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis toujours de te reculer. Parce que même les petits, quand tu les prends, ils peuvent faire ça, hein. Ils peuvent t'attraper ton doigt ou ta main, boum, parce que t'as une odeur de viande sur ta main, ou parce qu'ils veulent, ils ont peur, donc ils vont te taper. Et voilà, ils peuvent faire ça. Et il faut jamais retirer la tête tout seul. Tu attends, le serpent il te lâche tout seul. Mais non, il va pas, à un moment donné il va relâcher, parce que t'es une proie trop grosse pour lui. Il va pas commencer à avaler ton doigt. Hein. Si il va pas essayer nous. C'est elle et je lui dis non. Chloé, je viens de te dire quoi? Je te dis non. C'est dangereux. Chloé, moi, prie pour que la tchotte, elle a jamais rien. Hein. Ah non, c'est dangereux. Hop, comme ça, maman. Comme ça. Moi, je fais gaffe là, j'ai le truc ouvert, j'arrive pas à le refermer. Faut que je fasse un nœud avec mon père. Ouais, n'importe. Ça va. On faudra de l'alcool à 90%. C'est de l'alcool dénaturé. Hein. Ah, donc quand ils ont ça, je peux nettoyer, hein, je peux désinfecter quand même. Ah, c'est de ma faute, voilà, je croyais... Attends. Je
pourrais la prendre le matin ainsi. Mais j'ai plus de trucs pour les mains, c'est ça au fait. Ah oui, ah, si tu m'étonnes, tu lâches. Ah, j'ai rien, hein, mais bon. D'accord. Ouais, un petit peu, c'est tout. Ça va. Ça pue, mais ça va, ça va. Elle était cool, je vous montre la souris, elle m'a lâché direct. Mais elle, elle est. Elle, elle est. Faut faire attention quand même pour les chauds, hein. Parce que si mes doigts ils sentent la souris, tu vois. Mais c'est pas mal non plus, hein. Il vient d'arriver comme la dalle. Oui, comme la dalle. Ah, mais déjà, elle guettait depuis tantôt, donc. Et là, elle la tient, elle serre, et elle, tu vois, on voit qu'elle stresse, quoi. Là, la dalle à mort. Oh, c'est pas grave, hein, c'est bon. C'est juste que, voilà, ça surprend. Comme c'est ça. Vrai qu'elle a un peu strip, hein, là, les lignes. Et... Hop, voilà, elle va commencer à manger. Ouais, je fais passer l'élastique dans un trou. C'est bien, non, c'est très bien. Ah, oh, voilà, la mange. Bon, on voit qu'ils ont faim encore une fois. Hein. Ça se voit mort. Hein. Regarde, le gros, à peine que je l'ai mis, t'as dit qu'il mangeait la souris. Et pourtant, normalement, quand ils arrivent, ils sont stressés pendant 10 jours, tu vois. Moi quand j'ai vu, il était déjà en fait à la fin de la souris, hein, quand j'ai vu. Allez. Ah ben ouais, je dis, il y avait sa queue là sur le truc ici là. Ouais. Là en bas, le gros truc là. Ah ouais. Et je vois un, je sais pas, je dis mais putain, mais c'est pas possible, il y a deux serpents là-dedans. Pourtant je t'avais vu, t'en avais mis qu'un. Ah ouais, ouais. Hein. Je dis putain, c'est pas possible. Et après il remontait sa gueule tout doucement et je l'ai et vu. Et t'as vu la queue, hein. Et il était en train pourtant, de pourtant la souris, je devais l'acheter, ouais. Bah, elle était pas pourrie non plus. Ah, hein. Mais j'ai vu là, la queue de la souris qui est. Ouais, voilà, autant que ça, voilà, la queue elle est toute souple, que là, la queue était toute figée, quoi. Putain, elle a des belles couleurs quand même, hein. Ouais, spécial. Hein. Ouais, ça va faire des beaux jeunes, hein, ça. Encore une qui manque des écailles aussi. Ouais, quelque part, j'ai vu, ouais. Parce qu'il mue mal et le type il fait pas comme moi j'ai fait gamin. Oh, c'est un peu gros là. C'est juste quand si jamais l'air vomique, il faut faire attention quand c'est gros. Non, je peux pas lui donner trop petit. Hein. Bon, en plus c'est la mouillée, donc elle va passer. Avoir son corps, là c'est une fois et demi le corps. Quand il dit ce souris XXL, là, c'est 30 grammes. Ouais. Parce que normalement, ça fait 20 grammes, 25 grammes, allez. En tout cas, c'est. Là, c'est quoi là que tu donnes? C'est un blanchon, ça? Non, hein, c'est une adulte. Ça, c'est une adulte? Ouais, j'ai donné une souris adulte XXL qu'on a acheté là. Et mes anciennes, j'ai vu sur la boîte, c'était XXL. Donc, ça, c'est une souris adulte. Je sais bien, quand tu vois les notes qu'on avait. C'est pour ça que j'avais un doute, mais bon, quand tu vois après le. Allez, le ventre il s'écrase, hein. En plus elle est mouillée. Donc ça va aller. Là elle est juste aux pattes de devant, mais elle va savoir. Ça me déconcentre. Doucement. Hein? Ça va passer. Bah demain, il faut se lever très tôt, Cyril. Et moi aussi. Moi aussi, donc. Toucher les nœuds, dis, hé, maman elle avait fait, tu fais des nœuds, tu fais plein de nœuds toi, arrêtez de toucher à tout, faut pas
pas faire plein de nœuds. Après, quand on l'enlève, on fait quoi? Vous allez aller coucher tout de suite, je vais m'occuper de la petite. Vous êtes chiant. Merde, j'ai pas pesé en plus, elle quand je pèserai notre peau. Ah, vous embrouillez le cerveau là. Allez, au lit, je vais m'occuper de la petite. Vous avez eu votre dessert, donc allez, tout de suite. Hop. Allez, ça m'est mis vite fait parce que sinon ça va être éteint tout de suite. Attends, je vais te prendre là, mon bébé. Allez, je vais pas te prendre. Non, en même temps. Tu viens. Hop, oh, papa. Hop, oh, papa. Hop, hop. Petit, mange mon bébé. Allez. Ce soir, elle arrive, dépêche-toi. Que ça va être dans 5 minutes, on éteint. Elle mange. Oh là là. Le petit serpent. Buteur. Hop. Comme ça. Comme ça. Il mange, bébête. Il mange, bébête. Oh. Il mange, bébête. Des nanas, bébête, il fait nana. Oh, il fait des nanas, bébête, il fait miam miam. Ah, il fait miam miam, la bébête. Oh là là. C'est beau, hein? C'est beau. Oh là là, c'est beau. Voilà, elle a fini. Oh, elle a fini de faire des miam miam. C'est tout. On va aller voir maman. Allez.